Hello les pompistes, séance numéro 23 du samedi 23 mai avec aujourd'hui un travail un petit peu plus axé sur les triceps. Il va quand même y avoir de la pompe, mais une pompe un petit peu différente. Alors on va d'abord faire notre fameux exercice d'extension des triceps en étant allongé, donc tranquillement pour bien échauffer. Et ensuite on va travailler sur la pompe en position marteau avec l'aide des haltères, tu vois, c'est hyper intéressant. Je vais t'expliquer tout ça. Donc, on aura un ressenti beaucoup plus fort sur les triceps aujourd'hui. Donc, on commence en échauffement. Tu t'allonges ici. Classique ici. En place. 4, 3, 2. Tu montes en 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Encore. Comme d'habitude, tu ne bouges pas les coudes. 5, 6, 7. En deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 5, 6, single ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, monte en 3 ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3, l'inverse. Monte, descend, descend. Encore. Monte, descend, descend. Monte, descend, descend. Monte, descend. Et 16 singles pour finir. 1. Sur cette séance, tu ne vas jamais lâcher les haltères. 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 7, 6, 5, 4, 3, encore 2, encore 1. Ok, alors sur les genoux, alors la position prise marteau, c'est-à-dire que tu vas te servir de tes haltères et tu vas positionner tes mains en prise marteau ici, sur les haltères. Sur les genoux, 4, 3, 2, en 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette position fait que tu travailles davantage les triceps. Encore. 5, 6. Encore 6 fois comme ça en 4. 1, 3, 4, 5, 6. Encore. 2, 3, 5, 6, 7. Encore 4 fois. 2, 3, 5, 6, 7, rapproche le nombril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, dernière ici. 1, 2, 3, 5, 6. Ok, tu relâches. Repasse sur le dos. 4, 3, 2, single. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 16. 1, 2, 3, 4, tu sens bien les triceps. 5, 6, 7, encore 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, encore un. Ok, tu relâches. De nouveau, pompe ici, sur les genoux, en deux temps. 4, 3, 2, il y en a 12 ici. 1, 2, 3, sois pas trop large. 1,
2, et là tu sens bien les triceps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 7. 1, 2, 3. Encore 6. 1, 2, 3. 1, 2, encore 4. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, encore 2, ça brûle. 1, 2, 3, 5, 6. Ok. 4, 3, 2, encore 4, pardon. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Tu sens bien volontiers les triceps. 4, toujours 24. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers, 7, 6, 5, 4, 3, encore 2, encore 1, ok, tu relâches. 16 singles, toujours dans la position, il n'y a pas de temps d'arrêt. Plus tu vas serrer, plus ça va être difficile. Ne sois pas trop loin, rentre un petit peu comme sur une pompe. Diamant, 4, 3, 2, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, tu relâches. On reprend sur le dos. Ça chauffe ou pas? Tu sens tes triceps en place. 4, 3, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et tu relâches. Alors, pour finir la séance, voilà ce qu'il nous reste. Tu vas travailler ce qu'on appelle en échec musculaire, c'est-à-dire que tu vas aller faire une série avec le maximum de répétitions. Dans cette position ici de pompe en position marteau, ok ? Si tu peux, tu le fais sur les pieds, ok ? Si tu sens que tu ne vas pas dépasser 3-4 sur les pieds, tu fais sur les genoux. Une fois que tu es en échec musculaire, tu me refais 24 triceps et tu me refais une série de pompes en échec musculaire. Ok ? Donc moi, je vais me mettre sur les pieds. Je ne sais pas combien je vais aller, 8, 10, 12. Et quand je ne peux plus remonter, je me remets sur le dos et j'enchaîne 24 triceps et je reviens et je me refais une série d'échecs musculaires que je ferai peut-être après sur les genoux si je sens que ce n'est pas viable. Sur les pieds ou sur les genoux, tu peux essayer sur les pieds. Si tu sens que c'est compliqué, tu te mets sur les genoux. 4, 3, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez les bras, 14, 15, 16, 17, 18, 19, allez, jusque l'échec musculaire. 20, échec musculaire, ça veut dire que ça passe encore. 21, ne te mets pas sur les genoux si tu es sur les pieds. 22, 23, 24,
et 25. Ça passera plus. Je me refais une série de 24. 4, 3, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4, je sens plus mes bras. 5, 6, 7, 8, encore 16. 1, 2, 3, 4, pour être performant, 5, je ne vais pas faire sur les pieds, car je ne vais vraiment pas en faire beaucoup, donc je vais passer sur les genoux. 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore un, et tu relâches. Allez, la dernière en échec musculaire. J'ai les bras en feu. Allez. 4, 3, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Avance bien pour travailler les triceps. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heureusement que j'étais pas sur les pieds. Hein. 11, 12, descends bien. 13, 14, allez, on va chercher l'échec musculaire. 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Et là, tu sens tes bras qui ont travaillé comme jamais. Un peu les pecs quand même, bien évidemment. J'ai ressenti beaucoup plus affirmé sur les triceps. Ça manquait un peu de lumière. Hein. Petite séance faite à 1h du matin, on est plutôt pas mal. Tu peux mettre un petit commentaire, savoir si ça s'est bien passé. Tu as compris le but de la séance. Travailler en priorité les triceps par le biais de des exercices. Allongé sur le dos, plutôt facile. Et cette fameuse pompe avec appui sur les haltères. Ce qui est intéressant d'être en appui sur les haltères, c'est que déjà pour les poignets, tu ne te fragilises pas, parce que tu ne casses pas ici. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Prenez l'habitude de faire des pompes comme ceci si vous avez un petit peu mal au poignet. Vous allez voir, la prise est vraiment sympa. Ok, sur les genoux ou sur les pieds. C'était la séance numéro 23. J'ai plus de triceps. Ok, je vous fais des bisous. Je ne sais pas si vous allez avoir les mêmes sensations que moi, mais j'ai plus de triceps. Bisous, bisous.